Ben, comme Sa Majesté a l'habitude de le faire, il a accueilli avec les honneurs tout envoyé du chef de l'État. Et nous les en remercions vivement. Comme vous l'avez dit, j'ai été envoyé par le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, pour venir auprès de son ami et frère, Sa Majesté le roi Doussou, pour lui transmettre ses amitiés, pour lui renouveler son engagement à l'accompagner dans la noble mission que son peuple, que ses sujets lui ont confiée. Pour lui rappeler que le président de la République a conscience du rôle extrêmement important que Sa Majesté le roi joue effectivement dans cette partie du Sénégal. Et lui demander de continuer ce rôle de stabilisateur social, ce rôle, comme on dit, de tisserand de la cohésion nationale. Pour lui dire que soit général dans le Sénégal entier, parce que comme ils le savent, il ne peut y avoir de développement là où il n'y a pas de paix. Et que donc tu dis que le président de la République, conscient de la lourdeur de l'organisation d'une telle cérémonie, ne pouvait pas rester sans lui apporter son soutien. Et comme vous l'avez entendu dire, et je suis heureux de l'apprendre, que le chef de l'État a doublé la contribution qui était habituellement donnée au roi à l'occasion de telle festivité. Je suis heureux de savoir que je suis le porteur de ce doublement, de son aide. Et j'ai eu à lui dire que le président de la République prie Dieu, et lui, avec lui, tous les Sénégalais, pour que Dieu accorde longue vie à Sa Majesté. Et pour lui dire que le chef de l'État continuera à être à ses côtés pour que sa mission dans cette région et sa mission au niveau national soit une réussite, parce qu'elle vaut également la réussite du Sénégal en entier.